Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Je me retrouve entourée de Ilan et Sohan, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 15 juillet. Et donc pour la première fois depuis très très longtemps, puisque du coup il y a eu l'épisode coronavirus, nous avons pu retourner sur le parc. Donc du coup ils ont craqué pour quelques articles, donc ils voulaient les récupérer, donc je vais leur donner maintenant. Donc tout d'abord Ilan, j'avais mis les tickets de côté et le ticket a dû s'envoler, non c'est celui-là. Donc Ilan a craqué pour un truc qui n'était pas soldé. Ça fait un moment qu'il l'avait repéré, il y avait aussi celui de Dark Vador si ouais. Je ne me trompe pas. Donc normalement il était à 34,99€, mais grâce à mon passe-moins 10% je l'ai eu à 31,49€. Donc c'est un masque comme ceci, Stormtrooper, et il parle en fait quand vous appuyez sur un bouton. Voilà. Donc lui il portera peut-être pour un déguisement comme il dit pour Halloween, mais ce sera surtout en décoration de sa chambre. Attention ouais. Mes boules de Noël, pitié, attention mes boules de Noël. Ensuite Sohan me tourne autour puisque lui il est passé à la boutique Lego avec l'IS. Et l'IS pour moins de 10€, puisqu'en plus il a eu moins 10%, donc pareil, s'il faut savoir, sur la boutique Lego, les passes moins 10%, enfin les passes annuelles fonctionnent. Il lui a trouvé une boîte Lego comme ceci, Batman, avec le pingouin, son petit canard, donc il voulait la récupérer pour aller monter sa boîte, donc il est super content. Et il a en cadeau a eu, donc c'était totalement gratuit, les passeaux, le passeaux, sachet. Tu ne l'as pas remonté, si, je te l'ai. C'est toi qui l'avais pris. Je l'ai pas. Là, tu pourrais aller regarder s'il n'est pas resté en bas. Tu voulais que je te donne quoi, toi, mon cœur? Justement, mon sachet d'un poisson. Ah, il est là, pardon. Attends, j'ai des bêtises. Stormtrooper qui soit en route. Et totalement gratuitement, cadeau, donc vraiment super sympa. Juste en rentrant à la boutique Lego, il a eu cette petite boîte en fait avec Dark Vador. Il me semble que tu en as une comme ça. Ouais, le Ninjago. Ah c'est Ninjago, je crois que c'était un trooper justement. C'est Ninjago ça ? En fait c'est une petite boîte qui fait penser un peu à une boîte, vous voyez, Polly Pocket, un peu dans ce style là. Et donc c'est Dark Vador avec des petites, en fait un tas de plantes. Il va l'ouvrir de toute façon comme ça, il remontera à nous montrer ça. Mais en tout cas voilà, c'était offert. Donc vraiment très très sympa de la part de Disney. Allez. Tu refais un apport derrière toi mon cœur pour pas que ça craque parce qu'il a l'air des... Mais je ne pars pas, tu restes ici ? Ok, ça marche. Il va rester ici, pas de soucis pour moi. Et sinon aussi pour donc c'était 4,99€, mais pareil ils ont eu moins 10%. Ilan en fait a voulu prendre un petit Lego comme ceci, donc ça c'est Lies qui lui a offert. En tâtant le sachet il pensait que ce serait le Joker, finalement c'est un Batman, mais comme Lies lui a dit, un Batman c'est très bien aussi, donc je pense qu'il va atterrir sur l'étagère du bas. Voilà, vous savez, c'est les petits sachets surprise. Donc bien sûr on essaye tous et tout de tâter pour voir ce qu'il peut y avoir dedans, mais c'est extrêmement compliqué. Donc ensuite je vais suivre les tickets, ce sera plus simple. Donc normalement ce truc là était à 7,99€, donc c'était moins 70% sur tout. Je vous le dis tout de suite, si vous allez à Disney rien que pour les soldes, vous allez être déçus, c'est sûr et parce certain. Que c'est toujours les mêmes. Ouais, voilà. Toutes les boutiques qu'on a fait, c'était toujours les mêmes articles. Il n'y a quasiment pas de vêtements, il n'y a pas de tasse, il n'y en avait qu'une seule, mais même moi, j'ai pas craqué dessus pour vous dire. Quelques boules de Noël, mais elles sont, en tout cas pour le moment, au moment où je vous parle, au 15 juillet, assez décevantes. Donc j'ai pris ce bloc-notes, en fait, donc sur le thème mini la parisienne, tout simplement, parce qu'il y a un aimant derrière. Je me suis dit, pour mettre ça sur le frigo, ce sera très bien, parce qu'à chaque fois, on se colle des mots, des post-it à coups de magnettes. Et ça, au lieu d'être à 7,99€, donc c'est passé à 2,39€. Et ce qui était très intéressant, par contre, c'était les boules de Noël, donc il y en avait quelques-unes de soldées. Notamment celle-ci qui est donc Olaf, qui au lieu d'être à 12,99€, donc passé à 3,89€. Donc ce qui est plutôt cool. Donc du coup dans cette boutique pour les deux articles, puisque le pass s'applique, j'en ai eu pour 5€. Donc ce qui est plutôt sympa, c'est même pas le prix d'un des deux articles. Donc vraiment très très sympa. Et donc c'est Olaf comme ceci avec des petites pommes de pin sur une boule bleue comme ça. Donc ça par contre très très cool, donc moins 70% sur tout ce que je vais vous présenter. Et voilà, donc là par exemple cette boutique là 5,65€, donc c'était vraiment cool. Ensuite dans une autre boutique, pareil au total j'en ai eu pour 12,38€ et j'ai pris 4 boules de Noël.
Donc la première donc goutte pan-pan, donc c'est celle-ci. Donc elle passait à 3,89€ au lieu de 12,99€. Donc pareil, très sympa. Donc c'est pan-pan à l'intérieur avec un petit oiseau. Alors, vous savez à quel point moi j'aime Noël. Donc franchement, voilà, les boules de Noël Disney, je les trouve magnifiques, mais elles sont hors de prix. Donc là c'était très bien, 3,89€. Et en plus, comme je vous dis, les 10% s'appliquent. J'ai pris aussi une boule la fée clochette. J'avais failli craquer dessus l'année dernière, mais je ne l'avais pas pris parce que je la trouvais trop chère. Donc elle était à 12,99€ et pareil, elle est passée à 3,89€. Donc c'est celle-ci. Donc dessus vous avez des petites dorures comme ceci et vous avez la fée clochette qui sort comme si elle sortait d'un petit pot vieux lacet comme ça. Je la trouve vraiment très très mignonne. Donc franchement à 12€ je l'aurais pas pris, mais là à 3,89€ c'était vraiment l'occasion quoi. C'est bon, très très chouette aussi. Je vais la remettre là. La quatrième ourson, donc c'était celle des frères des ours. Frères des ours, où est la boule frère des ours? Elle est ici. Donc elle est trop mignonne aussi. Ah non, c'est pas frère des ours. C'est quoi? C'est rebelle. C'est rebelle, il a raison, je dis frère des ours. Heureusement que t'es là, Ilan, tu me rattrapes. Mais oui, t'as raison. En plus, en les voyant, je me disais c'est bizarre parce qu'il me semblait que dans frère des ours, ils étaient plus marronnés, mais t'as raison. Ce sont les trois petits frères de rebelle. Merci Ilan. Donc effectivement je vais dire une grosse bêtise, ce sont les trois petits frères de rebelles. Donc quand ils deviennent des ours, si vous n'avez pas vu le dessin animé, regardez-le, vous comprendrez pourquoi ces petits frères se transforment en petits oursons. Et j'ai trouvé trop mignon et puis ça m'a fait penser aux trois garçons, Johan, Ilan et Swan, le petit clin d'œil. Et donc pareil, normalement elle valait 9,99€ et elle passait à 2,99€. Et pour finir en cette boutique là, j'ai aussi pris Maiko, je sais pas comment on dit. C'est dans Pocahontas. Ah. Donc au lieu d'être à 9,99€, qui passait à 2,99€. Donc très mignon aussi, comme ça, avec un petit truc pailleté entre les mains. Des petites perles et tout, vraiment trop choupi avec sa petite attache comme ça en lin. Je pense que dans le sapin, cette petite déco sera vraiment très très jolie. Du coup, pour cette boutique là, j'en ai eu pour 12,38€. Donc plutôt sympa. Ensuite dans une boutique pour Kisha, donc j'en ai eu pour 6,20€ puisqu'elle passait à 6,89€ et du coup moins 10%, je les ai eu à 6,20€. Ce sont des oreilles comme ceci, donc normalement elles sont vendues 22,99€. Donc à 22€ très clairement je n'aurais jamais prise, mais là à 6,20€ je lui ai prise. Kisha adore ce type d'oreilles, elle en possède pas mal. Les trois quarts sont dans mon bureau actuellement, donc elle sait exactement où elles sont. Je pense qu'un jour elle se trouvera certainement une organisation dans sa chambre pour toutes les poser, parce qu'elle en a vraiment pas mal. Et celle-ci était vraiment très chouette avec ce côté pailleté sequin et au centre un espèce de marronné pailleté. Donc elles sont vraiment très très jolies quoi. Franchement je sais pas combien elle en a, mais je vous dis, elles sont toutes réunies dans mon bureau et elle en a vraiment vraiment pas mal. Et puis du coup on voulait lui ramener aussi une petite chose. Pour moi, rien à voir avec les soldes. Je vous ai montré récemment, j'ai acheté pas mal de petites maisons de ce style là. Donc j'ai Belle, j'ai Réponse, j'ai la petite sirène, j'ai la fée clochette. Et la cinquième va m'échapper, je crois que c'est la Reine des Neiges. Et j'ai trouvé Vaiana. Donc Vaiana, je l'avais vu sur Vinted, mais à des prix genre... laissez tomber, c'est comme Lilo et Stitch. Hein, c'est, je sais pas, on dirait qu'on achète de l'or. Mais non, en tout cas, celle-ci, on peut la trouver facilement sur le parc. Effectivement, Lilo et Stitch, je l'ai pas vu. Mais Vaiana, je l'ai trouvé. Donc normalement, à 24,99€. Donc moi, mon pass, je l'ai eu à 22,50€. 22,49€ exactement. Donc c'est une petite maison comme ceci avec des petits personnages comme ceci sur le thème de Vaiana. Je trouve ces maisons très très craquantes, c'est très enfantin, je vous l'accorde. Mais par exemple quand mes petites nièces sont venues à la maison le week-end dernier, elles se sont éclatées à jouer avec. Je les ai laissées tranquillement, en plus elles sont assez précautionneuses et franchement elles se sont éclatées avec. Elles ont bien son rangé et tout. Donc voilà, donc elles étaient contentes et j'étais contente de leur faire plaisir. Et elle fait de la musique. Voilà, donc même pour offrir, je trouve que ça fait un très joli cadeau. Moi, je vous avoue que voilà, c'est vraiment le... Je sais que c'est très enfantin, hein, mais je craque littéralement sur ces petites maisons. Donc voilà, elle était là et j'ai dit à Liès, je vais donc me l'offrir.
Donc en ce qui concerne mes soldes, c'est quasiment tout. La dernière chose que j'ai pris, c'est dans le second parc. Pareil, c'était assez décevant au niveau solde. Hein. Donc comme vous voyez, chaque année en général, enfin chaque période, je vous présente des vêtements, je vous présente des tasses, des machins, des bidules. Et là, vous voyez, hormis déco de Noël, je vous présente pas grand chose. Je me suis repris une boule pareil pour le sapin. Donc vous voyez, c'était très axé sur le sapin. Donc au lieu de 12,99€, je l'ai eu à 3,50€. Donc à passer à 3,89€, mais moins pareil, mais 10%. Et donc c'est pas la même que j'avais trouvé par contre au solde. Donc c'était en hiver, parce qu'en hiver en fait, excusez-moi, celle que j'avais trouvée, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Mince. Attends, juste une toute petite seconde. Je sais, mais je suis en train de tousser. J'entends bien. Attends, je prends ta boîte dans 2 secondes, excusez-moi. Donc je disais, c'est pas la même que j'ai pris donc au solde de janvier, de début d'année, où c'était pareil, les trois petites fées de la Belle au bois dormant. Celle que je vous avais présentée, donc elle, les trois petites fées étaient à l'intérieur de la boule. Et celle-ci, en fait, vous avez deux petites fées au-dessus avec des petits cadeaux de Noël. Et à l'intérieur, vous avez la troisième petite fée. Donc j'étais super contente de la trouver, parce que je vous avais dit au mois de janvier, quand je vous avais présenté la première, qu'elle était dans ma wishlist, et en fait c'était celle-ci qui était dans ma wishlist et pas l'autre. Donc j'étais quand même super contente d'avoir l'autre, hein. Mais c'était celle-ci en fait qui était dans ma wishlist, donc bah coup de bol. Voilà, elle était soldée aussi, donc bah très contente. Donc voilà, donc vous voyez, au mois de juillet, acheter des décorations de Noël, c'est un peu étrange. Et donc Ila nous a monté la petite boîte, donc voilà, bah comme je vous disais exactement, ça se présente comme une petite boîte en fait. Attends, style ça. Ah, les petites boîtes. Non, mais le replie pas, t'embête pas mon cœur. En fait, ça se présente vraiment un peu comme une boîte Polly Pocket, donc il peut la trimballer, il rentre simplement le petit escalier, et voilà, avec le personnage Dark Vador. Donc je trouvais ça super sympa qu'il fasse un cadeau pour les enfants. Ils étaient pas obligés, et j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Ensuite, pour Monsieur Sohan, donc pour Monsieur Sohan, est-ce que j'ai le ticket détaillé de toute cette histoire? Donc pour Monsieur Sohan, tout d'abord, je lui ai pris donc une voiture Cars qui normalement était à 30€. Ça fait mal. Donc 30€ de base, vous avez le prix juste en bas si vous voulez faire le focus. Donc ça c'était plutôt sympa par contre si vous voulez faire par exemple des petits cadeaux d'anniversaire. Bon, je peux aussi faire le focus, mais je vous le dis, hein, c'était 29,99€. Enfin, c'est tout pareil, hein, tout était à moins 70%, donc on l'a eu à 8,99€. Donc en fait la... la télécommande, c'est le petit volant, et la voiture Cars se présente comme ceci. Il y avait deux modèles au choix, il y avait la rouge, la Cars classique, et celle-ci en noir et bleu, et l'IS et Swan ont craqué pour la noir et bleu. Donc du coup voilà, on l'a vu fonctionner dans le parc parce que beaucoup d'enfants jouaient avec. Donc voilà, elle a l'air très très sympa. Donc à 30€ ça pique, mais à 8,99€ je trouve ça plutôt sympa. Ensuite pour 7,49€, BHM, c'est quoi ça, BHM? Alors j'ai trouvé pour 7,49€, autant pour moi, c'est un petit set en fait avec deux petites tasses que je trouvais trop mignonnes. Pareil sur la collection Disneyland Paris Mini, j'avais pas vraiment craqué moi sur cette collection là, mais je trouvais ce petit service à thé très très mignonnet. Donc vous avez deux petites tasses avec deux petites soucoupes comme ceci. Normalement ce coffret valait 24,99€, donc pareil avec les moins 70%, donc il est passé à 7,49€. Pareil, ça peut faire des idées cadeaux très sympathiques pour un anniversaire, une pendaison de crémaillère ou peu importe. Donc voilà. Ensuite pour 10,79€ au lieu de 35,99€. À la base, moi, sincèrement, je suis pas sûre que j'aurais craqué. Donc 35,99€, mais Lies l'a trouvé vraiment très 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 jolie. Donc du coup, j'ai dit, bon, bah, je vais te faire plaisir, je vais prendre cette petite nuisette. Donc c'est une petite nuisette qui se présente donc comme ceci. On va essayer de vous montrer ça bien quand même. Donc avec de la dentelle, donc juste au-dessus de la poitrine. Et donc vous avez, elle est assez loose, donc effectivement assez agréable, parce que j'ai extrêmement chaud la nuit avec elle. C'est un vrai petit radiateur. Et elle a donc deux petites bretelles comme ceci. Et dans le dos, elle est croisée comme ça avec aussi un petit peu de dentelle.
Donc franchement, par contre, elle est super douce. Elle a l'air d'être vraiment de super, super bonne qualité. Mais de moi-même, franchement, je suis pas certaine. Forcément, j'aurais craqué dessus. Mais quand il l'a vu, il m'a dit, ouais, franchement, elle est trop mignonne. Et voilà. Et puis, il me dit, ça t'inviterait à t'endormir des fois en t-shirt. Donc voilà, donc très très sympa. Et donc pareil, donc je vous disais 10€ au lieu de 35. Ensuite, j'ai pris du coup la culotte qui allait plus ou moins avec, qui normalement était à 15,99€. Franchement, fou. Donc moins 70%, elle est passée à 4,79€, ce qui est quand même beaucoup plus cool. Donc c'est un peu dans le même style, hein. Donc vous avez voilà les petits dessins comme ceci avec mini, floral et tout. Le petit nœud, et puis ce qui est sympa derrière, c'est que c'est que de la dentelle. Donc voilà, donc moi la journée je préfère des culottes franchement clairement 100% coton, mais à la limite le soir pour dormir avec Lies, pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? C'est pour Mel. Donc tout le reste, c'était pour Mel. Voilà, donc elle vous montrera ça sur sa chaîne, puisqu'elle était en Bretagne. Et du coup, elle m'avait dit, est-ce que si au cas où tu fais les soldes et que tu as des trucs sympas, est-ce que tu peux m'envoyer quelques photos? Je lui ai dit sans problème, bah ça a été rapide les photos, je vous le dis. Puisque comme vous pouvez le voir, il y avait un extraordinaire, donc du coup bah donc Aylan, donc il a pris son casque de trooper, il a eu donc son petit sachet Lego, il a Sohan, donc on lui a pris donc la voiture Cars et la boîte Lego Batman. Donc du coup on voulait absolument ramener un cadeau pour Johan. On a hésité entre deux packs, finalement on a pris plus gros parce que niveau rapport nombre de personnages pris, c'était plus intéressant. C'est ce type de coffret en fait, donc vous en avez des plus petits qui sont aux alentours des 30€, et à l'intérieur chaque fois vous avez on va dire entre 8 et 9 personnages grosso modo, hein. Et là en fait ce coffret là est à 60€ de mémoire, donc il n'était pas soldé, hein, mais l'IS a eu moins 10% avec son pass, mais de mémoire c'est 59,99€. Mais effectivement par contre il contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 personnages. Et souvent, en plus, vous avez des personnages, vous savez, un petit peu plus, plus rares, entre guillemets, que dans les boîtes plus classiques. Donc voilà, donc il est super content. Bah, vous savez, en fait, ils ont un lit jumeau avec beaucoup beaucoup d'étagères, donc voilà, je vais le laisser le déboxer tranquillement, et puis à la limite une fois qu'il aura installé tous les personnages je vous montrerai. Mais voilà, c'est un mélange de Avengers, Marvel, enfin voilà, donc il est super content, c'est un beau coffret, il y a plein de personnages, il va pouvoir se faire une étagère super sympa avec bah, tous ces bonhommes là, et voilà, je dis à Lies des fois, c'est vrai que c'est... On se dit 60€ c'est plus cher, mais je dis que les 10%, finalement tu auras deux fois voire deux fois et demi plus de bonhommes, et surtout des bonhommes un petit peu plus rares. Et pour finir en fait je vous avais expliqué qu'en fait pour nos 2 ans, donc moi j'avais commandé donc une montre sur le site de Fossil pour Lies en fait, que j'avais fait graver. Et un bracelet aussi, un petit bracelet qu'il avait choisi, d'ailleurs qu'il n'a toujours pas porté, d'ailleurs faut que je veille à ça parce que sinon il ne le fera jamais ce bracelet là. Bref, donc la montre par contre il la porte. Et lui en fait m'avait fait une commande, donc de mémoire c'était sur le site de Swarovski. Ça a été une véritable catastrophe. Le colis en fait s'est baladé pendant plus de 2 mois, je crois que ça a duré 2 mois et demi cette histoire. Ils avaient proposé à l'IS un remboursement qu'il avait refusé puisqu'il voyait que le colis se baladait, donc il revenait en France, il repartait en Allemagne, enfin bref. Et puis au bout d'un moment, malgré qu'ils disent je refuse parce qu'il y avait un article qu'il voulait absolument et qui était épuisé, parce que sinon il a dit bah remboursez-moi et je rachète, sauf que le problème c'est qu'il y avait un article qui était épuisé. Et un jour bah, il a vu qu'il l'avait remboursé contre son gré entre guillemets. Donc c'est tout, donc il était super déçu. Et là il me dit à Disney, donc on va sur la, vous savez dans la boutique où ils font les articles un peu de verre soufflé, ils montrent beaucoup de choses et tout, mais je reconnais que j'ai pas de coup de cœur, donc je lui dis écoute, il y a beaucoup de choses magnifiques mais j'avais pas de coup de cœur.
Je lui dis écoute, c'est pas grave, de toute façon on a le temps et puis voilà, il n'y a pas d'urgence quoi. Et avant de sortir du parc, en fait, j'ai allié ses coups, je voudrais quand même qu'on passe au Disney Village. Je savais qu'il y avait une seule boutique qui faisait des soldes. Bah, là d'ailleurs, où j'ai trouvé la boule Olaf et le petit carnet là pour accrocher sur le frigo. Et je lui dis, je vais quand même aller voir au Disney World là, si au cas où ils ont justement ces petites maisons. Et c'est là que je trouve d'ailleurs Vaiana. Et là, je rentre dans le Disney World, là, et je vois quoi? Ceci. Comment vous dire? Alors, tout le monde n'aimera pas, hein, bien sûr, mais c'est maléfique, quoi. J'ai dit, quand je l'ai vu, j'ai dit, c'est pas possible, quoi. Donc, ce sont les sacs de la marque, je vais certainement mal le prononcer, Loungefly. Donc j'en ai qu'un seul moi de cette marque là, c'est les filles qui me l'ont offert du coup pour mon anniversaire. Donc moi celui que j'ai c'est sur le thème justement de la Belle au Bois Dormant, puisque bah, je voulais rester dans le thème un petit peu maléfique, la Belle au Bois Dormant. Mais que j'aime beaucoup, il est magnifique, je l'ai traîné il y a pas très longtemps et tout le monde me fait des compliments dessus. Il est petit, il est beau, il est élégant, il est juste parfait. Donc là par contre c'est un sac à dos, mais quand je l'ai vu... Enfin, je crois que Lies a vu des étoiles dans mes yeux, m'a dit vas-y laisse tomber, je pense que j'ai trouvé ce que je vais t'offrir. Et du coup il me l'a pris, donc ce sont des sacs qui ne sont pas donnés. Il est au prix de 80€, donc 79,99€. L'avantage c'est que si vous prenez sur Disney, vous avez un pass, votre pass fonctionne. Donc vous avez une petite poche devant, donc là il y a une mousse hein, de protection. Mais rien qu'au niveau de la qualité ou de la fermeture, on voit que c'est vraiment des sacs de qualité. Et à l'intérieur c'est pareil, pour l'instant il y a du... la protection, je vais vous retirer. Il y a beaucoup de protection que je vais vous retirer. C'est bon, c'est fini. C'est bon, c'est fini, je crois. Plus de protection. Et à l'intérieur, en fait, il se présente comme ceci. Hop. Avec ce motif-là. Il est trop beau. Franchement, il est trop beau. Il n'est pas trop grand. Mais même au niveau, vous voyez la qualité de la fermeture. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, c'est généralement sur ces détails-là qu'on se rend compte un petit peu de la qualité du sac. Il y en avait plusieurs, hein. Il y avait plusieurs modèles, il y avait des Mickey, des Minnie, tout ça, mais maléfique quoi. Quand je l'ai vu, maléfique. Donc voilà, donc il sera juste parfait pour aller faire des petites balades, pour ranger bah, téléphone, le nécessaire. Mais je suis trop contente, franchement je suis trop contente. Vraiment, mais oh, il est trop beau. Bon, après, je sais, oui, c'est Disney, tout le monde n'aime pas forcément. Je l'entends, je le comprends, je le conçois, il n'y a aucun problème. Mais moi, je le trouve très très beau. Je trouve qu'il me correspond parfaitement bien. Voilà, vraiment, il est magnifique. En plus, le fait que ce soit Lies qui me l'offre, ça me touche encore plus. Puisque, bah voilà, c'est vraiment le cadeau limite parfait. Le cadeau parfait pour moi, un sac, puisque même si j'en ai beaucoup, j'en change énormément. Sac à dos, c'est quand même hyper pratique et c'est maléfique. Donc je suis trop contente. Je vais dormir avec. Non, je rigole. Non, vraiment, je suis super contente. Donc voilà, donc je vais essayer de vous mettre en ligne cette vidéo très rapidement. Parce que je me dis, si certaines d'entre vous veulent retourner à Disney pour le plaisir de retourner à Disney, franchement ça se passe super bien, ils ont bien fait les choses. Nous on n'a pas vu de truc de fou, les gens respectent super bien les consignes de sécurité, ils ont bien fait les choses pour qu'on soit bien espacés les uns des autres. Le fait qu'ils aient limité le nombre d'entrées, il y a très très peu de temps d'attente aux attractions. Franchement on a attendu, je crois le maximum qu'on a attendu ça devait être 20 minutes, mais vraiment grand max. Donc ça c'était vraiment super cool. Pensez bien à réserver avant d'y aller, c'est impératif, vous ne pouvez pas acheter de place sur place. Donc pensez bien à acheter vos places en amont pour un jour bien précis. Parce que si vous arrivez comme ça sur place, malheureusement vous ne pourrez pas rentrer dans le parc. En tout cas au moment où je vous parle, puisqu'après ça évoluera. Au moment où je vous parle en fait, il faut avoir pré-réservé pour pouvoir rentrer. Donc nous on l'a fait par exemple hier soir pour aujourd'hui, il n'y a eu aucun souci.
Donc ça c'est très cool. Par contre au niveau des soldes, peut-être qu'il y aura d'autres produits en solde dans les semaines à venir, dans les jours à venir, c'est possible. Et si c'est le cas et que je vois des choses passer, ou même quand je reprendrai le travail au Disney Village, si je vois des trucs passer, bien évidemment je vous en parlerai. Mais si vous comptiez aller à Disney juste pour les soldes, je pense que vous serez probablement déçus, parce que très honnêtement je vous dis, il y a très très peu de choses. Enfin, j'ai pas trouvé de trucs extraordinaires. Après, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Par exemple, il y avait quelques peluches, mais moi les peluches ça me parle pas du tout. Et en plus c'était pas des, enfin c'était pas à mon sens de très très belles peluches. Donc voilà, il y avait quelques soldes aussi sur Pandora, mais bon, Pandora je suis un peu, voilà, Pandora j'en ai beaucoup, j'avais pas de coup de cœur. Donc voilà, donc je vais essayer de vous mettre en ligne cette vidéo rapidement, comme ça ça pourra vous donner une idée. En tout cas, si vous avez des questions sur le parc, comment ça se passe ou quoi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'essaierai d'y répondre rapidement. Et puis bah écoutez, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais à tous et toutes de très très gros bisous. Ciao !